Marilyn Weber, je suis maire de Pouilly et vice-présidente à Metz Métropole en charge du développement numérique. Alors pourquoi être partenaire de Gênes cette année ? Alors on est partenaire de Gênes cette année comme les autres années déjà. Et cette année, d'abord parce que c'est un événement majeur et que ça permet d'appuyer aussi notre stratégie numérique et de donner de la visibilité à notre ambition en matière de numérique à Metz Métropole. Justement, quelles sont les ambitions de Metz Métropole en ce qui concerne le numérique ? Alors, les ambitions de Metz Métropole en ce qui concerne le numérique, c'est déjà que ce soit un axe, comme je l'ai dit tout à l'heure, un axe transversal au projet métropolitain, donc en matière d'échange avec les territoires voisins et européens, en matière d'écologie urbaine et humaine, et bien sûr sur l'axe ArenTech, puisque c'est un des axes de notre projet métropolitain. Donc le numérique, il a toute sa place de façon transversale par rapport à ce projet métropolitain. On a des projets donc d'extension du TCRM Blida pour lui donner plus d'importance et pour permettre d'avoir une action plus importante auprès des startups, notamment en termes d'incubation par exemple, et d'appui plus substantiel au niveau des startups. Et on a aussi des projets, donc la fibre optique, bien sûr, ça c'est un des enjeux pour Metz Métropole, pour l'attractivité du territoire. On a d'autres ambitions aujourd'hui qui se déclinent sur l'expérimentation, sur l'innovation, sur une école numérique. Voilà, il y a vraiment différents projets, travailler donc avec le nord du territoire, on a vraiment différents projets axés sur le numérique. L'ensemble des maires de l'agglo voit ça comme quelque chose de très important, ce numérique. Alors il y a tout un travail, je pense, pédagogique à faire à ce niveau-là. Bien sûr que tout le monde se rend compte que le numérique est important, mais je crois même moi, avant d'avoir la vice-présidence en charge du numérique, je crois qu'on ne mesure pas vraiment l'importance que ça a aujourd'hui dans le développement de notre métropole, dans le développement du territoire général, que ce soit Grand Est, Sillon, Lorrain, enfin voilà, tout ce qui peut porter le numérique aujourd'hui.